Yo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et citronner ton meilleur pouce bleu si t'aimes les histoires d'horreur. Tu peux visiter ma chaîne de thread horreur 15 ailes de sueur, le lien en description et en fin de vidéo. Et voici 2-3 commentaires pris sur une précédente vidéo à qui j'envoie un drip ou un pixel. Donc n'hésite pas à laisser ton meilleur commentaire et c'est y part pour le contenu. Ah là 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 là, il est 6h30 du matin, je ne sais pas dans quoi que je me suis lancée. Sérieusement les gars. Alors je vous explique, alors je parle déjà pas fort parce qu'il est vraiment 6h30 du matin. Et en fait je me suis lancée dans un scrollage de cadeaux comme vous pouvez le voir, donc je vais sûrement mettre en accéléré. Donc en fait toutes les pages là que vous voyez, en gros j'essaie d'arriver au cadeau qui date il y a plus de 2-3 ans. Alors je crois que c'était en août 2017 voire en août 2018. Que j'arrivais plus à ouvrir les cadeaux, j'étais plus à jour dans mes cadeaux et depuis ce moment-là, je n'ai jamais réussi à ouvrir les premiers cadeaux que je recevais parce que bon, la politique Movie Star Planet fait que les premiers cadeaux qu'on reçoit, enfin les derniers cadeaux qu'on reçoit, c'est ceux qui sont en premier dans la liste, donc les derniers cadeaux qu'on a reçus, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, les premiers cadeaux qu'on a reçus sont tout à la fin de la liste. Bref, vous m'avez compris, je pense. Et du coup, je me suis amusée à scroller tous les cadeaux. Heureusement, j'ai un petit bouton sur ma souris. C'est une macro qui fait que ça clique automatiquement. Mais bon, je vais quand même la remettre plusieurs fois d'affilée afin d'arriver à la fin de cette fameuse liste. Et il faut savoir que ce sont des cadeaux, je rappelle, de... je sais plus si c'est 2018, mais je crois que c'est 2017, hein, carrément, depuis août 2017. Et ça fait donc plus de 3 ans. Ouais, je sais calculer. Depuis plus de 3 ans que je n'ai pas ouvert les premiers cadeaux que j'avais reçus sur 15 et YouTube, je rappelle qu'ils m'ont compte normalement principal, n'est-ce pas? Et écoutez, on va découvrir ensemble les cadeaux que j'ai reçus à ce moment-là. Alors voilà, des cadeaux qui datent d'il y a 3 ans, donc j'ai hâte de savoir un petit peu ce qu'il y a. Oui, bien les amis, hein, petit verdict, on va voir si ça valait la peine ou pas de faire une demi-heure de cliquage là. On va voir ça. Donc étoile des mers 12 34 5 Kinzel Lily 97 31 30 etc etc. Ce sont des personnes qui ne savent même plus qui je suis en fait. Ça se fait, ils ne suivent même plus ma chaîne. Donc si vous vous reconnaissez dans ces cadeaux et que vous voyez que vous êtes là et que après 3 ans j'ouvre enfin vos cadeaux, hein, n'hésitez pas à vous à vous recenser dans les commentaires et dire « Oh bah enfin Kinzel, tu t'es bougé le fion pour ouvrir mon cadeau, quoi, est-ce que ça date ?» Bon, bien naturellement, je n'arriverai pas à ouvrir tous ces cadeaux dans cette vidéo, même si je kifferais. On va faire à l'ancienne, comme je fais sur mes lives. Je t'adore, oh merci. Merci, mais franchement, c'est limite, j'ai mal au cœur en fait, tellement ces gens-là, ils m'avaient envoyé des cadeaux à l'époque, il y a plus de 3 ans. Et que j'ouvre leurs cadeaux seulement maintenant. Franchement, je suis une honte. Je suis une honte. Je veux seulement vos cadeaux maintenant. C'est horrible. Bon, vous m'aviez envoyé tellement... voilà, il y a même des deleted users. Vous m'aviez envoyé tellement de cadeaux. Ah, j'ai reçu une casquette avec la rose. Il me semblait que ça datait pas d'il y a 3 ans, cette casquette, par contre. Hein, c'est... Oh là là, mais... Franchement, les gars, vous pouvez une nuit m'insulter, quoi. Ah, vous imaginez, il y a des gens... regarde cette vidéo et ils se sentent enfin libérés d'un poids, ils se disent enfin le cadeau que j'ai envoyé il y a 3 ans, elle l'a enfin ouvert. Ou le pire ce sera les personnes qui m'auront envoyé un cadeau et que j'aurais même pas pu ouvrir leur cadeau dans cette vidéo, genre qu'ils me l'envoyaient par exemple il y a 2-3 ans, mais pas dans les derniers que j'avais pas ouvert. Non, 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 non. Oh non, oh la pire erreur, j'ai appuyé sur nouveau cadeau. Oh non, la pire erreur que j'ai pu faire. Oh la pire erreur. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Mais non, mais je suis vraiment une débile. Oh non, mais j'ai tellement l'habitude de faire ça en live. Oh non, j'ai trop envie de pleurer. Bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire, parce que franchement, là, pendant une demi-heure, j'ai tourné les pages. Oh non. Je fais exprès en plus cette vidéo à 6h30 du matin, parce que c'est le seul moment où je pouvais faire cette vidéo sans trop laguer et arriver à la fin de mes pages. J'ai envie de pleurer, je vous jure. Bon, et bien les amis, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais continuer à ouvrir les derniers cadeaux que j'ai reçus, n'est-ce pas?
Et vous, vous me dites en commentaire si ça vaut la peine que je refasse une vidéo, que je rescrolle tous les cadeaux ou pas, ou est-ce que cette vidéo ne vous intéresse pas. Voilà, bon, vous avez vu quelques petits cadeaux qui sont affichés. Oh non, je suis trop déçue de moi-même. J'ai trop fait de la merde. Ah, je vous jure, j'ai trop fait de la merde. Oh, je me haïs, je me déteste là. Là, je me déteste. Oh, on a reçu une casquette Ink de la part de Charlotte 1206. Merci beaucoup à toi. Merci. Attends, je t'envoie une petite invitation. Ouais, parce que comme vous pouvez le constater, vu que j'ai un compte garçon maintenant. Bah du coup, tous les derniers cadeaux que je reçois, c'est quasiment uniquement des accessoires. Puisque vous ne pouvez plus m'envoyer d'autres cadeaux. Vous pouvez m'envoyer des chapeaux, certaines paires de chaussures, et encore, c'est très limité. Voilà, des petites ailes. Très jolies d'ailleurs, on va les mettre. Merci Pink Baby. Donc c'est très 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 limité. Et j'ouvre plus vraiment les cadeaux sur Cœurs à Dupes. À savoir, en plus, si vous regardez dans mes affaires, vous allez voir que j'ai fait un énorme tri et j'ai beaucoup, beaucoup moins d'affaires qu'avant. Oh, il y a quand même des personnes qui sont réussies à m'envoyer. Je pense que c'est avec un petit glitch des affaires pour femmes. Bah, très peu, mais... très, très peu. C'est très bien tout ça. Rare, c'est pas un tatou. Ouais, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude que les rares, c'est des tatouages. Ouais, ça va, j'ai quand même un look... ça passe, quoi. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment... voilà, les... Puis même, ne m'envoyez plus de cadeaux sur Cœurs à YouTube, les gars, parce que de toute manière, comme vous avez constaté, il y a des cadeaux qui datent il y a 3 ans, que j'ai même aujourd'hui pas réussi à ouvrir. Regardez, Pixel Glitch Boy. Ah bon? Ah bon? Parce que Pixel Glitch, il y a une version boy et une version girl. Bon, on va les mettre, hein. Merci beaucoup, c'est monstrueux. Mais c'est vrai que les garçons, du coup, peuvent m'envoyer des cadeaux autres que des accessoires. Oh, on m'a piraté. Bah, j'espère. Bah, je pense que t'as pu récupérer ton compte. Enfin, du moins, j'espère. En tout cas, merci beaucoup pour le glitch. Pour le glitch pixel. Mais je viens d'apprendre un truc en même temps. Puisque je ne savais même pas qu'il y avait glitch. Enfin, un glitch version fille, glitch version garçon. Pour moi, les deux auraient dû être la même chose. Mais bon. Voilà, on va plus se poser de questions avec Movistar Planet. J'ai encore envie de pleurer. Ah, je vais faire une dépression à cause de cette vidéo. Hein. Alors aussi, on va découvrir, je pense, juste avant de finir la vidéo, le pack version garçon, parce que je ne l'ai pas vu. Et déjà que je trouve le pack version fille extrêmement dégueulasse. Alors je suis désolée, hein, poulet. Oh mince, j'ai loqué. Je disais pour les gens qu'ils aiment bien. Hein. Y a pas de souci, tout ça, je comprends. Et on a chacun ses goûts, etc. Y a pas de problème. Moi, je le trouve pas beau. Je suis pas fan du tout de ce pack actuel pour les femmes. Nous, on va découvrir la version homme. Écoute, on va faire ça. Parce que là, j'ai ouvert déjà pas mal de cadeaux. Il va falloir que je fasse un tri encore une fois. Et le pack version garçon. Alors, il est... il est tout aussi moche, voilà. Il est tout aussi moche que la version fille, hein. On va pas débattre là-dessus 30 ans, hein. Écoutez, pas beau, voilà. Allez, si je devais le noter, ce serait un... Allez, un 3 sur 10. Voilà, je le note, un 3 sur 10, parce que quand même, il y a quand même un petit effort. Ils ont peut-être essayé de faire quelque chose de différent. Le petit Boonies reste... je le préfère quand il est petit, une fois qu'il grandit, je trouve qu'il est un peu chelou. Les chaussures, voilà, dans l'air de la mode, hein, ces chaussures comme ça sont à la mode. Pourquoi pas. Mais pour le reste, non. Voilà, ok. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pas... je vous ai pas transmis ma dépression de cette vidéo, j'espère. Et du coup, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous et ciao ciao.